ravie, très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Ce sera un haul AliExpress Action Look Fashion. Look Fashion, Centracor, dans mon bio, dans... Bon, il y a un peu de tout on va dire. Je vais commencer par Centracor. Centracor, j'ai trouvé une petite boîte magnifique. Je suis tombée in love devant cette magnifique petite boîte à bijoux, gris argent, avec des petits strass, avec des petits morceaux de miroir, hein, trop joli. Regardez comme elle est mignonne. On peut mettre des bagues, ou sur la chiche, non je blague, mais on peut mettre une bague, deux bagues je dirais, pour mettre des petites pilules, pour mettre ce que l'on veut. En tout cas, ne tenez pas compte de ce que je vous ai dit la première fois. Donc très contente pour ça chez Centracor. Ensuite, j'enchaîne avec un lot de rasoirs, de 4 rasoirs basiques, hein, 4 lames, voilà, pour se raser les poils. J'utilise si vraiment j'ai pas trouvé le temps de m'épiler, donc je prends un rasoir, toc toc, et puis en cas d'extrême urgence ou si vraiment j'ai pas le temps. Ensuite, je me suis pris deux miroirs, mais il y en a un, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est un miroir ventouse qu'on colle sur le miroir, et enfin sur une surface du moins, et vous avez une face qui est grossissante. Donc là, j'ai un autre miroir, face grossissante, normal, quoi, voilà. C'est un miroir. J'ai pris ça, Centracor toujours. J'ai pris un rouleau adhésif pour les surfaces, voilà, quand on... Il me reste plus que ça pour mettre sur mon PC. Et puis j'en ai collé aussi un morceau, une partie sur mon plan, sur ma coiffeuse. Parce que je voulais apporter un petit coup de fun à ma petite déco. Sachant que ça coûte pas très cher. Hein, il était à 5 euros quelque chose. J'en ai pris deux. Et voilà. Ensuite, ceci, c'est une petite serviette en microfibre que l'on pose sur ses cheveux. On met ses cheveux dedans. Hop, comme on peut, on tourne, bon c'est un peu mal foutu, mais vous avez un petit bouton avec un élastique pour l'accrocher derrière, et ça évite que la serviette tombe. Voilà, et c'est très facile à faire parce que j'en ai déjà fait une en serviette éponge comme ça, vous reprenez le même modèle, un bouton là, un élastique là, pof, hop, terminé, ça vous fait une serviette qui ne tombe pas. Lorsque vous l'avez sur la tête. Donc ça, Centracor, petit prix. Donc Centracor, j'ai pris deux bracelets comme ça, deux bracelets jaunes. Ils sont super beaux, c'est du métal, c'est un genre de métal. J'en ai pris deux, il y avait doré, rose gold et argent. Et moi j'ai pris rose gold et argent. Donc sur l'argent, j'ai Love, voilà. Et puis Carpe Diem sur le rose gold. J'harmonise avec plusieurs bracelets et je trouve que ça fait super joli quoi. Voilà, j'ai également retrouvé de la laine, celle-ci elle est trop belle, c'est en fait un gris bleu, c'est pas marine, c'est un gris bleu, j'adore, un peu gris anthracite bleu. J'ai déjà tricoté un bonnet pour mon fils et puis là je suis en train de faire un snood, je vais en faire un aussi pour lui parce qu'il a une écharpe et elle pend comme ça, je suis pas très rassurée, je préfère qu'il ait carrément un col, ce sera peut-être plus pratique pour lui, donc pas très cher, 9 euros les 10 pelotes. Donc la laine on peut en trouver dans les magasins de déstockage, donc là Centracor j'en ai trouvé, vous pouvez en trouver à foire fouille un peu partout. Ensuite on passe à Action. Alors Action, j'ai pas grand chose parce que j'y vais assez régulièrement. Et là, pour le coup, j'ai que 4 articles. Donc le premier, j'en ai pris deux, mais je ne vais pas vous montrer les deux. J'ai pris un déodorant comme ça, spray de la marque Dove, qui est le Beauty Finish. 48 heures, sans trace, et fini sec, etc. C'est une petite contenance que l'on peut embarquer dans son sac. Donc voilà, rien à dire, très bien. Pour un déodorant Dove, très bien. Ensuite, j'ai ici, ça s'appelle comment, un dissolvant, du dissolvant de la marque Body Benefit Nail Care, Nail Polish Remover, voilà. J'avais une de mes abonnées qui m'avait dit, prends celui, il était parfumé, et je ne l'ai pas trouvé. Donc, je verrai bien la prochaine fois. Ensuite, j'ai une crème que j'ai repris. Une crème hydratante, c'est une tuerie, moi tout ce qui est à base de noix de coco, j'en suis complètement fan, j'en suis addict. C'est un gros pot de 250 ml, petit prix aussi. Hein.
Et ensuite, j'ai pris un gel à la bave d'escargot dont on entend beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Elle est, paraît-il, sublime, elle est génialissime. C'est un gel qu'on applique sur le visage qui permet de résorber les boutons, les petites imperfections, voilà, les cicatrices, les vergetures, pas sur le visage, mais les vergetures, il fait plein de trucs. Elle est géniale. Action terminée. Ensuite, je suis allée dans mon magasin bio. J'ai pris de l'argile blanche, 300 grammes. Pourquoi ? Parce qu'il faut que je refasse du dentifrice. Si vous voulez la recette, dites-le moi, je vous la ferai avec plaisir. C'est simple, il vous faut de l'argile blanche, de la glycérine, huile essentielle de menthe poivrée, un petit peu de bicarbonate de soude. Et je crois que c'est tout. Et vous avez votre tube de dentifrice. Il nettoie super bien les dents, en douceur. Vous avez la fraîcheur, ça fait comme le dentifrice. Donc j'ai pris ça. J'ai pris 3 huiles essentielles. Donc j'ai repris une menthe poivrée pour mon dentifrice. Et puis pour le rhume, c'est génial quand vous êtes enrhumé, vous en mettez sur votre mouchoir et puis vous respirez, c'est super. Ensuite, j'ai repris de l'huile essentielle de gingembre qui est génialissime, je l'adore. Depuis que j'utilise cette huile essentielle dans mon shampoing, dans mon premier shampoing, ça va vous durer des mois. Je ne perds plus mes cheveux, ça c'est génial. L'huile essentielle de gingembre, 2 gouttes dans le premier shampoing et adieu la chute de cheveux. Génial, ici. Et j'ai repris aussi patchouli. J'aime beaucoup cette odeur. Je mets une goutte dans mon shampoing également. Parce que c'est très bon aussi pour les cheveux. Et j'ai les cheveux qui sentent bon. J'ai un petit parfum oriental que j'aime beaucoup. Donc voilà pour mon magasin bio. Ensuite, nous allons passer à AliExpress. J'ai commandé 2 articles. Hein. C'est vrai qu'en ce moment, je commande pas beaucoup parce que j'en ai marre d'attendre 2 mois pour recevoir un article. Et je vous avouerai que depuis que j'ai découvert le magasin Action, je ne commande plus sur AliExpress. Et là, je viens de voir qu'il y a un autre Action qui s'est ouvert à 10 km de chez moi, encore plus proche. Donc ça me donne encore l'occasion d'y aller, quoi, plus souvent. Donc j'ai commandé un petit pyjama pour mon fils, Panda, pour m'accompagner parce que moi aussi j'ai le pyjama Panda. Donc il a une petite queue derrière, donc c'est super rigolo, vous avez une capuche avec les oreilles et la tête de Panda. Donc il est super rigolo dedans, ça tient hyper chaud, j'ai pris une grande taille parce que je me méfiais de la taille, j'avais peur que ce soit trop petit. Mon fils a 5 ans, je l'habille déjà en 8 ans. Et là, je pense que c'est un 8-10 ans, quoi. Mais bon, c'est pas trop gênant parce que c'est resserré au niveau des manches et des jambes. Donc, ça se relève. Et le petit plus, c'est que vous avez une fermeture éclair juste en dessous de la queue pour aller aux toilettes sans enlever toute la combi, quoi. Le truc aussi que j'aime pas trop, c'est que des boutons sur le devant. J'aurais préféré une petite fermeture éclair, quoi. Mais ceci dit, elle est super mignonne et puis ça fait 2 pandas à la maison. Ensuite, j'ai reçu, et ça sera le dernier AliExpress, j'ai craqué littéralement sur ce pull-là que j'avais vu sur une youtubeuse que j'aime beaucoup qui est Caroline R. Si tu passes par là, je te fais de gros 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 bisous et merci pour le petit tuyau. Je lui avais demandé où est-ce qu'elle avait eu son pull, elle m'avait dit chez Pinky. Puis du coup, chez Pinky, comme c'était une ancienne peau, il n'y en avait plus, donc j'ai fait mes petites recherches de mon côté. Je suis tombée sur un similaire sur AliExpress que je me suis empressée de commander et qui se présente comme ceci. Donc clairement, lorsque vous regardez sur les photos, c'est un pull qui tombe bien en dessous des fesses, qui est très long. On a même limite l'impression que le couple de petits asiatiques, qui sont quand même adultes, je pense, on a l'impression que ça leur sert de chemise de nuit, que ça leur arrive aux genoux, quoi. Mais il me tombe juste en dessous de la ceinture. C'est une taille unique, alors attention, et puis les manches m'arrivent pile poil là, quoi. Donc 38-40 maxi, pas au-delà parce que ça n'ira pas. Mais ceci dit, je suis très contente. Donc c'est le drapeau américain avec un joli bleu en haut avec des étoiles. Ici c'est un blanc cassé, rayé, rouge. Voilà quoi, il est super super beau. Franchement trop beau, il taille bien. Belle qualité. Il n'est pas très épais, il n'est pas trop fin non plus. Mais voilà, très très contente de cette acquisition. Donc ensuite on va terminer par la mode. Look Fashion, le magasin Look Fashion. J'ai 4 articles à vous présenter. Donc dans un premier temps, j'ai celui-ci, alors je sais plus si je vous l'avais présenté, parce que ça fait un bout de temps que je l'ai, ça doit faire 2 mois. Donc c'est un bomber kaki avec la base noire, élastiquée.
que l'on retrouve aussi également sur les manches, sur les emmanchures. Donc voilà, c'était le petit bombers traditionnel avec les fermetures sur le côté. Vous en avez une pour bien sûr l'ouvrir. Donc c'est un bombers qui est fin. Donc c'est de demi-saison, à moins de le porter par-dessus un pull et sous un manteau par exemple. Donc vous avez des poches latérales, c'est le bombers assez mignon. Donc voilà, chez Look Fashion. Ensuite, je me suis pris un boyfriend noir qui se présente comme ceci. Donc avec une taille élastiquée avec un lien pour resserrer. Donc voilà, donc il a une coupe boyfriend. Hein. Vous avez au dos les poches qui sont cousues. Donc on ne peut pas, ce sont des fausses poches. Et vous avez des poches ici sur le devant. Donc c'est un coton. C'est un coton, c'est une marque italienne. Donc les marques italiennes sont bien taillées, sont super belles. Donc voilà pour ce joli boyfriend noir. Et quelle taille? Moi j'ai pris la taille S. Voilà, j'ai pris la taille S. Donc ensuite j'ai choisi dans la même boutique un pull kaki en grosse maille. Kaki encore. Je suis kaki en ce moment là, taupe kaki, là j'adore. Donc voilà, il est basique, c'est une taille unique. Il est super beau. J'aime beaucoup, il tient hyper chaud. Moi j'aime bien les pulls à grosse maille. Il existait en beige, en d'autres coloris, mais moi j'avais un petit faible entre le beige et puis le kaki. Donc c'est de l'acrylique. C'est de l'acrylique et puis il est vraiment très très joli. Et dernier article de Look Fashion, je me suis pris une écharpe plaid à carreaux noir et blanc. Elle est vraiment trop chaude. Elle tient bien chaud et je suis très 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 contente. Donc ça, donc Look Fashion c'est terminé et on enchaîne maintenant avec Gémeaux. Trois articles. Le premier c'est celui-ci, le pull que je porte. Donc voilà qui est hyper chaud, il est cocooning, il est chiné blanc et noir. Moi j'ai craqué sur ce pull, il fait partie de la nouvelle collection et j'ai pris la taille 16 ans. C'est du 16 ans, c'est dans le rayon enfant. Donc parfois, allez faire un tour dans les rayons enfants parce qu'on peut trouver parfois des choses assez jolies. Alors j'ai pris plusieurs articles, j'ai pris deux pulls aussi pour mon fils. En prenant 4 articles, ça me donnait 50% de réduction sur ma commande. Donc il y a eu aussi ce pull là que j'ai trouvé dans le rayon enfant qui est chiné blanc et noir. J'adore moi le chiné noir et blanc. C'est du 14 ans. C'est de l'acrylique et c'est le même style que celui-ci. Donc il est super joli aussi, j'aime beaucoup, une encolure ronde, c'est de l'acrylique, les manches tombent bien comme il faut, il n'est pas serré dans le bas, ça tombe droit. Ensuite, dernier article chez Gémeaux, il s'agit de ceci que j'ai craqué littéralement dessus. Ce sac à main qui est bien évidemment pas du cuir. Donc il est noir, vous avez des détails, imitation croco sur le côté, juste sur le côté en fait. Vous avez plusieurs compartiments à l'intérieur, de quoi mettre les clés, de quoi mettre le portable. Et puis là vous avez un compartiment pour mettre les papiers, portefeuille, etc. Vous avez une poche à l'extérieur et vous avez également de quoi ranger... autre chose ici, cet emplacement qui est aussi grand que celui qui est situé là. Je le trouve vraiment super joli, il fait classe. Il existait en d'autres coloris à la place du violet, de l'aubergine. Il y avait donc beige, il y avait camel, il y avait tout noir. Mais noir, je trouvais qu'il faisait pas aussi classe que celui-là. Je le trouvais beaucoup plus fade. Il peut être porté en bandoulière. Je me suis dit, allez hop. Donc voilà. Voilà pour ça. J'ai terminé tous mes achats. J'espère que ce petit haul, ce méga haul vous a plu. Je vous envoie plein de gros bisous. Portez-vous bien et on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye! Salut tout le monde!
monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui avec un DIY.